Ah bah tiens, si on allume la caméra, c'est mieux en général. Dis donc, ouais. Oh là là, mais quel streamer en carton, c'est incroyable. Bah voilà. Mais le problème, c'est que comme je coupe les caméras à la fin du live précédent, mais que je les rallume pas avant d'allumer le stream, j'ai l'air encore d'un streamer en carton. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Bonjour ! Bonjour, c'est la pause déj. Un tout petit peu en retard sur cette pause déj, puisqu'il y avait une mise à jour sur Flight Sim de 5 bons gros gigas. Donc heureusement que j'ai lancé le jeu un tout petit peu plus tôt que prévu, sinon on y serait encore. Donc du coup, in the chat, salut Papa Noël, salut Jade, comment vas-tu? For the new smartphone Galaxy, blablabla. Ben ouais, les pubs s'adaptent à toi, mon Papa Noël, hein. Si tu regardes des trucs en néerlandais, that is your fault. Et coucou mon cœur, ça va toi? Ben écoute, ça va très très bien, on est mercredi. On est mercredi? Oui, je crois qu'on est mercredi. C'est la mi-semaine, on est bientôt... On est bientôt en week-end. On en est là, quoi. Allez, on est parti sur cette musique un petit peu funk. Sur cette première destination, on va partir sur un des monts qu'on n'a pas fait hier, qui est quand même l'un des monts les plus connus au monde, hein. À savoir, le mont Everest. Donc voilà, on est pile à la frontière entre la Chine et le Népal. Et on est sur une nouvelle livrée d'avion là, qui fait partie justement des dernières mises à jour, si je ne dis pas de bêtises, de la mise à jour d'aujourd'hui. Et ça la gouille, on est bon, ça y est, c'est parti. Et bienvenue devant le mont Everest. Je vais m'incruster sur ton vol, bah écoute, ça va, ça, pas de soucis, avec plaisir. Mercredi c'est permis, ouais c'est ça. Y a pas mercredi c'est patate, ou mercredi c'est purée, ou mercredi c'est ravioli, ou un truc comme ça aussi. Enfin bref, nous voilà donc dans la chaîne de l'Himalaya. Ce que pas dégueu, hein, en vrai. De Dieu. Et nous sommes donc en train de virevolter joyeusement autour du mont Everest. Mercredi c'est salsifis. Oh mon Dieu, je déteste les salsifis. En tout cas, la dernière fois que j'ai testé, c'est sûr. Ah, vous voyez pas ça tous les jours, hein, le mont Everest sur une petite musique funk. Mercredi, c'est Aioli. Ah, l'Aioli, je préfère. Ah, j'aime bien l'Aioli. Ça, c'est cool. Ça sent la photo, là. Qu'est-ce qu'on en pense, là? Est-ce que ça sentirait pas un petit peu la photo? On va essayer de maintenir un peu l'avion en virage droite, là. Tac. On va le redresser un poquito, histoire de. Et puis on va voir ce qui se passe quand on va passer en mode vitrine, s'il va se casser la gueule ou pas, ce qui est fort probable, parce qu'il est chiant. Parce qu'il n'est pas foutu de maintenir les choses proprement, ce truc. Regardez-moi ça, comment c'est beau là. Est-ce qu'on peut même peut-être pas dézoomer encore un peu l'attaque? Voilà. Oh putain, c'est beau ça. Et hop là! Ça a de la gueule, hein. Ah, pour le coup, j'avoue, ça a quand même une sacrée gueule. Ou alors on reste... on se fait ça comme ça, on se remet droit par là. C'est étonnant d'ailleurs qu'il se balade autant, cet avion-là. Je sais pas s'il y a des courants... Regardez-moi ça, je ne bouge pas. Hein. Je ne bouge absolument pas. L'avion se part complètement en cacahuète. Donc on va récupérer... Alors on va récupérer ça là parce que je sais pas ce qu'il fait lui. Là on est en survitesse donc tout va bien. On va pas tarder à exploser en vol, hein, concrètement, hein. Soyons clairs. Hein. Je ne sais pas concrètement ce qui se passe. S'il y a du vent de taré de malade ou s'il y a un réglage qui est pété ou je ne sais quoi. Ce qui est sûr c'est que là j'ai l'avion qui part complètement à droite et c'est insupportable. Wow 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 wow, qu'est-ce qui se passe? En fait, j'essaie de le trimer hein, pour voir la chose, hein, qu'on soit clair. Donc j'ai quand même des messages d'alerte là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ces messages d'alerte? Cabin differential pressure. Est-ce qu'on serait pas en train de dépressuriser? Juste comme ça, la blague. Est-ce que ça serait pas un peu rigolo si on était en train de dépressuriser? Genre l'avion en fait est en train d'exploser là. Mais laissez-moi écouter ma funk, tranquille. J'ai pas envie de dépressuriser, moi. Sacré glacier au nord. Let me see that. Ça, là? Ouais, putain. Attends.
Le nord, il est censé... Attends, celui-là, si on regarde comme ça, l'ouest est là, donc le nord est ici. Donc ouais, là, on devrait avoir des choses assez, assez impressives. Oh, là, on a un truc qui est vraiment pas dégueu, là, à l'ouest, là. Oh là 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 là, ça, c'est beau, ça. Hop, petit changement de caméra en mode vitrine. Oh là 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 là, comment c'est beau, ça. N'avance pas trop vite, jeune fougueux. Attends, clac, mets-toi en pause, voilà. J'avais oublié qu'on pouvait se mettre en pause aussi en mode vitrine. Comme simplifie un chouïa les choses. Oh, ça, ça a de la gueule. Il est où, là? Il est là? Ouais, l'Everest est là. Donc si ça, on a l'Everest ici, on va se le garder dans la photo, l'Everest. On va se mettre l'avion, genre, un peu plus haut, comme ça, là, paf. Pour montrer à quel point on est tout petit in the world. On va peut-être juste descendre un tout petit peu le soleil, parce que là, le soleil rentre pas dans mon cadre. Donc, monsieur le soleil, si vous voulez bien descendre un tout petit peu... Le mec en est là, tu sais, hein. Et salut, OSM. Descends à... Quoi? Descends à droite, il y a raclette. Il y a raclette à droite, là. Attendez, moi, j'aimerais bien garder le mont Everest ici, là, tac. Donc, du coup, le soleil rentre tout juste dans mon cadre. Donc, voilà, si le soleil pouvait descendre un tout petit peu... Ouais, bah voilà. Oh là, c'est magnifique derrière, regardez là avec les nuages qui sont là. Pof, allez, photo, on sourit. Hop là. Capture d'écran enregistrée. Là, ça a de la gueule quand même. Hein. Ça a quand même une sacrée gueule. Là, on est sur des reliefs. Salut, es-tu en ligne NEM? Je ne te vois pas en vol. Bonne question. C'est une très bonne question, on va aller regarder ça juste après, parce que je pense que je ne peux pas vérifier là pendant que... Il me semble pas que je puisse vérifier là. Navlog, tout ça, non. Option peut-être. Non, ça c'est les options de la truc comme ça. On check ça sur le prochain, on check ça sur le prochain vol, je te dis ça assez rapidement. Mais normalement je n'ai touché à aucun de mes réglages, donc à moins qu'il ait tripoté des choses en cours de route. Normalement, oui, je suis toujours en ligne. Un petit peu en train de se casser la gueule, là c'est bon. Putain, mais cette zone c'est quand même incroyable. Je sais pas vous, mais alors moi je suis bluffé quoi. On va peut-être pousser ça là, on va pousser ça comme ça et je vais mettre le joystick ici, je vais mettre la manette ici, on sera mieux comme ça là. Cette zone est juste pas croyable du tout quoi. Escape pour check ça, on peut checker, ouais je te vois bien sur la carte du monde, ça doit bugger as usual, ok. Ici, on peut checker ça directement. Ah bah oui, je suis bon. Hop là, tac. Yes, I'm confirming that I am online on the Europe of the West 19 milliseconds. Yes, I am currently online. And I am currently cassé la gueule. Mais la zone est juste tellement belle. Moi, j'en reviens pas. Hein. C'est un truc de fou. Comme je reviens pas comment c'est beau, quoi. D'accord, t'actives le pilote automatique et l'autre il se barre en chandelle en mode ouais, tout va bien les mecs, salut, tranquille, pépouze. Ou je l'ai peut-être pas activé là. Si, ça y est, là il est activé. J'ai dû l'activer en mode. J'ai dû l'activer en mode. Comment ça s'appelle? J'ai dû l'activer en mode vitrine, ce qui fait que les commandes ne répondent absolument pas en mode vitrine. Oh là là, mais regardez-moi comment c'est beau la chaîne de l'Himalaya, putain, c'est un truc de fou quoi. Oh, et ces nuages, regardez-moi cette mer de nuages qu'il y a là-bas. Oh là là, oh la beauté quoi. Oh là, on se refait un screenshot, hein. Moi je suis désolé, mais là... Comment c'est beau. Bon, du coup, est-ce que vous avez du coup un petit peu d'idées pour les destinations du jour, ou est-ce qu'on va piocher un petit peu au hasard dans les cartes Flight Sim? Oui. Oh, ça craque, ça fait du bien. C'est quand même assez incroyable. Là, j'avoue que là le survol... Le survol de toute la zone comme ça. Je suis assez friand, je dois bien le reconnaître. Bohol, je ne connais pas Bohol, on va aller voir ça. C'est un remake du film Les Survivants. Hey, why not? Salut Vakun, comment tu vas? Les Survivants, c'était l'équipe de rugby qui s'est crashée dans l'Himalaya, c'est ça? Mais on est en train de se casser la gueule là. C'est ça, hein, si je dis pas de conneries, qui s'était crashé dans l'équipe de rugby de c'est plus de nous. Non, pas de. Je sais plus laquelle. On va crash dans les montagnes. Non! Beaujolais, comment ça, Beaujolais? Qu'est-ce que tu veux aller? J'aime pas le Beaujolais, c'est dégueulasse le Beaujolais.
C'est marketing le Beaujolais. On va aller voir du coup dans l'ordre, on va aller voir Bol. Je ne sais pas ce que c'est que Bol. Donc du coup, en plus l'avion n'arrête pas de tirer vers le haut là, c'est insupportable. On va le. En même temps, on n'est pas du tout dans le vert au niveau du trim là, tac, voilà. En tout cas, je suis très content de cette découverte Everest slash Himalaya, parce que putain, c'est incroyable. Je pensais pas que ce serait autant vallonné en fait. C'est ça que je trouve ouf. C'est vraiment immense et hyper vallonné quoi. Alors donc Bol, on a déjà fait ? Ah bon ? Pourquoi ça me dit rien du tout ? C'était aux Philippines, c'est ça ? Oh là 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 là, mais cette mer de nuages qu'il y a derrière, c'est juste incroyable, quoi. Les Chocolate Hills étaient à Bol. Ah, d'accord. Ouais, c'était un petit fail, les Chocolate Hills. C'était pas foufou. Bolt, il est encore en train de piquer vers l'eau, là. Bon, allez. Il a arrêté de m'embêter, lui, là. Non, mais... Alors ? Wouhou! Allez, j'espère que vous avez bien accroché vos petits whisky à l'arrière. Boracay, qu'est-ce que Boracay? On va aller voir ça tout de suite. On va aller voir ici, on va aller à Boracay. Qu'est-ce que c'est que ce Boracay? Ah, on retourne dans les îles du coup. Où est-ce qu'on est? On est juste au sud des Philippines. Ah ok, les Philippines sont là. Donc on est encore dans les Philippines. On est au niveau de la pointe de l'île de Panay, si je ne dis pas de conneries, hein, si je sais lire une carte. Et on est... Ok, donc on est sur une toute petite île. Ça a l'air tout mignon. On va aller voir. Hein. On va aller voir Boracay. Ça a l'air tout rikiki. Hein. J'espère qu'il se passe des trucs là-bas. Alors, menu principal, on est reparti. Petit café. Oh, c'est pas ce timing, dis donc. La musique qui s'arrête pile au moment où on quitte le truc. The perfect timing. Alors, carte du monde, on est reparti. On colle les coordonnées. Nous revoilà aux Philippines. On définit comme point de départ, condition de vol. On va se mettre... alors attendez, après régler... Météo en temps réel, mais on va se remettre deux jours. Hein, sinon, on s'en sortira pas trop de nuit. Voilà, ça me paraît pas mal. Et puis, on va se reprendre notre petit hydravion. Clac. Il y a des nouvelles livrées là-dedans ? Non, il n'y a pas de livrée du coup, puisque c'est un truc custom. Donc, évidemment, il n'y a pas de livrée. Ça se dit Boracay. Ah bon, ça se dit pas à l'américaine ? Boracay ? Boracay. Ça fait un peu... Or lui, c'est un Boracay. Hein ? Hein, la Kaira. Et salut Muka, comment vas-tu ? Alors c'est parti, nous voilà aux Philippines. En tout cas, la mer est toujours belle de ce côté-là de la Terre. C'est assez impressionnant. Hop, on désactive le pilote auto tout de suite. Et c'est sympa comme tout, dis donc. Avec les petites montagnes derrière, là. Hey ! Ça a de la gueule. Oh, vous avez vu ces plages, là ? Oh là là là. Oh, moi, je vous le dis tout de suite. Hein. On va essayer d'aller se poser là-bas. Hein. Ah, quoique non, ça, je pense que de proche, ça va être dégueulasse, en fait. Attendez. Ouais, non, c'est pas beau de proche. C'est dommage. De l'autre côté, peut-être ? Alors, il faut qu'on arrive à se poser à un endroit où la plage est cool. Là, de ce côté-là. Oh, de ce côté-là, ce serait trop bien. Ah ouais, on va essayer ça. La destination aujourd'hui. Alors, la destination aujourd'hui, on a démarré par l'Himalaya. Puisque quand on a fait les monts les plus hauts, on a oublié l'Himalaya. Ça avait été cité hein, parmi le chat, mais j'avais complètement oublié d'y aller. Donc, on a commencé par l'Himalaya. Donc, c'était assez incroyable avec une mer de nuages absolument pas possible. Et nous sommes ici à Boracay, donc B-O-R-A-C-A-Y, on est au beau milieu des Philippines. Une destination qui revient assez régulièrement quand même, les Philippines. Hein.
Et bah autant dire qu'on est au paradis quoi, à peu près, hein. Environ au paradis. Moi je dis, il y a message subliminal de Rafa après Hawaï. Ah non mais complètement, hein. Hawaï et Philippines, ça fait partie de ces deux destinations où elle a absolument envie soit d'y aller, soit d'y retourner, parce qu'elle avait l'occasion d'aller aux Philippines. Mais clairement, ça fait partie des destinations rêvées côté Rafa. Hein. On essaiera d'y aller un jour quand la situation sanitaire nous le permettra. Moi j'aimerais bien aller en Nouvelle-Zélande, moi. C'est la Nouvelle-Zélande qui me fait kiffer. Oh, il faudrait qu'on aille voir un fjord. Votre mission, si vous l'acceptez dans le chat, essayez de me trouver le nom ou les coordonnées d'un fjord, quelque part là en Norvège ou en Suède, qui déchire grave et qu'on pourrait aller voir sur Flight Sim. Ça a de la gueule quand même dans le coin. Hein. Bah, vous voyez, là typiquement, moi j'irais bien. J'irais bien me faire ma retraite là-bas, moi. Nouvelle-Zélande, c'est au top. J'ai l'occasion d'y aller 3 semaines. Ça vaut vraiment le détour. Ouais, mais ça, mais vraiment la Nouvelle-Zélande, j'en ai très, très, très envie. Est-ce qu'on irait pas amerrir là-bas, là, à côté des plages? J'ai l'impression qu'il y a un peu trop d'hôtels, peut-être. Ouais, c'est un peu beauf. Non, on va pas amerrir ici. Il y a un peu trop de bâtiments. Je voudrais un truc un peu plus paumé, avec des arbres. Ça serait quand même plus sympa. Après c'est cool, on va essayer de se faire un petit passage quand même, un petit passage bas à côté des plages là, venez voir, ça va être sympa. Coucou. Youhou. Avec un petit arbre, vous avez vu le petit arbre, le loil, le tout mignon, il est tout seul. Oh là là, mais cet océan, la couleur émeraude, qu'est-ce que c'est beau putain. Incroyable. En tout cas, les couleurs sont sympas. Non, mais les couleurs sont incroyables. Non, mais vraiment, là... Milford Sound, c'est quoi que tu annonces avec Milford Sound, copain Papa Noël? Ouah. Allez, hop. On va revenir un petit peu au-dessus des terres. Oh, ça a l'air sympa, là. Il a l'air d'avoir une immense piscine. Une immense piscine naturelle. Fjord dans le sud-ouest de l'île du Sud. Attends, quoi, tu adorerais les plages là-bas, un paradis, l'eau est bonne. Bah, j'espère bien que l'eau est bonne, on est en plein milieu du Pacifique, sur des latitudes pas possibles. J'espère. C'est sympa ça, ce petit endroit, regardez là. Une petite crique là. Ah, je pense que c'est ici qu'on va se poser. Je pense que j'ai l'endroit qui m'intéresse, les copains. On y est. Par contre, je sais pas pourquoi le truc il est en train de trimer à mort en permanence là. On va aller se faire une petite rotation tranquillou, puis on va aller se poser, on va aller se foutre dans la crique là-bas, là. Ça m'a l'air l'endroit à peu près idéal pour aller se poser, pour un petit pique-nique. Hop, on sort 15 degrés de flaps, et surtout, il y a plein de geckos. On n'a pas fait les Barbades et la Jamaïque. Ah ouais, la Jamaïque, ça c'est cool. Fjord dans le sud-ouest de l'île du Sud, là, voilà, un fjord en Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, les copains, on va se faire ça. Allez, je m'aligne juste la caméra à l'arrière pour pouvoir me poser sans faire trop de conneries. Je pense qu'on va arriver très vite. Non, ça va. Encore un petit rebond. Hein. Décidément, je pense que j'arrive encore un petit peu vite sur mes amérissages, ce qui fait que je tape des rebonds pas possibles. Beaucoup de rebonds. Très très beaucoup de rebonds. Très beaucoup de rebonds. On va s'arrêter un peu là. Il faut s'arrêter monsieur maintenant. Bon du coup on va se faire une rotation tranquillement sur la gauche avec un tout petit peu de gaz histoire de revenir. Et je vais drifter, vous allez voir. Philippian Drift, hein. Fast and Furious 42. Bon ben voilà, on est pas mal là. Voilà, on va aller se mettre. Elle est où la petite crique qu'on avait vue? Elle est là-bas la petite crique qu'on avait vue. On va aller se mettre là-bas. Calme-toi. Arrête de rebondir partout, là. S'il te plaît, détends-toi. Hein. Oh là 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 là. Genre, on va se poser par là, tu vois. Juste devant la petite plage privée, là. Limite, on va se mettre comme si c'était un ponton. Vous allez voir, on va se mettre comme si c'était un ponton. On va couper les gaz, là, parce que je pense que j'arrive très très vite. Malgré tout, je pense qu'on va galérer, hein. On s'arrêtera pas pile poil où qu'on veut. Je pense que je maîtrise assez mal encore la vitesse du bousin là.
Allez, monsieur, on s'arrête. Allez, monsieur, on s'arrête. Ça glisse beaucoup, cette chose. C'est une vraie savonnette. Bon, c'est pas grave. On est bien, là. Là, je pense qu'on est pas mal, là. On va essayer de se mettre un angle de vue plutôt sympatoche. Voilà. On va se mettre en mode vitrine. Tac. Limite, vous savez, contrôle maj E. On va faire ça, ouais. Contrôle shift E. Clac. Je suis déjà en mode... Ah, pardon, je suis déjà en mode vitrine. Hop, du coup, il est pas content. Je suis en mode externe. Contrôle shift E. Voilà, on a coupé le moteur. Comme ça, on va pouvoir se prendre un joli petit screenshot moteur éteint. Mode vitrine, c'est parti. Oh, ça a de la gueule, là, dis donc, ouais. On va essayer de pas prendre trop de bâtiments. On va essayer de cacher un peu les battes. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas de... C'est un peu... C'est un peu tristoun, en fait. Ça fait tout vide. De l'autre côté. Ah. Ah, voilà. Encore un tout petit peu. Histoire d'avoir de la couleur, tu vois. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Comment c'est beau. Si ça, c'est pas de la belle beauté, hein. Hein, les calculs sont très bons, Kevin. Faut dire que c'est peut-être en pente, regarde s'il y en a qui font du ski nautique. Mais je pense, ouais. Sur Flight Sim, on a vu que l'eau pouvait potentiellement être un petit peu en pente. Je serais pas étonné qu'on soit un peu en pente et que ça glisse un peu trop. Moi, je pense, hein. Je pense que c'est tout à fait possible. Mais regardez-moi ce plan-là. Regardez-moi cette zone, comment que c'est beau. Mais, ah, mais va-t'en, moteur, on s'en fout. Le moteur, il est coupé déjà. Pourquoi tu me mets une étiquette pour me dire qu'il faut couper le moteur? Mets-moi une étiquette pour me dire qu'il faut allumer le moteur avec contrôle E. Voilà, il est nul, lui. Voilà, capture d'écran prise. Sur ces bonnes paroles, donc on a dit juste après, donc, la... comment tu avais appelé Milford Sound. On va aller checker ça, Milford Sound en Nouvelle-Zélande. Milford Sound. Hop, nous y sommes. New Zealand. Et bien le bonjour, Mouchou. Comment vas-tu? Alors, c'est parti. Milford Sound. Bah, vas-y, mon grand, cherche, en fait. Mais. Mais il est con, Bah, allez, monsieur, faut y aller, là. Qu'est-ce qu'il me fait, monsieur Google, là? Il veut pas y aller? Allez, voilà, Milford Sound, voilà, bah voilà, à un moment merdouille quoi. Donc, où est-ce qu'on est exactement? Nous sommes donc en Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire juste en dessous de l'Australie, là, en sud-est de l'Australie. On est sur l'île sud de la Nouvelle-Zélande et on est au niveau de la chaîne de montagnes dont je connais absolument pas le nom, Mount Cook. On est Mount Cook, on était passé là-bas la dernière fois, on est passé par le Mount Cook. Et donc là, on est au nord-ouest du Mount Christina. Et on a un fjord ici qui s'appelle Milford Sound. Et ce qu'on va faire, je pense qu'on va arriver par la mer. On va arriver par la mer ici, tranquillou, pépouze. Et on va, ou même là, directement. Et on va aller s'engouffrer directement dans le fjord. Et puis voilà, je pense que ça va être très très sympathique. Menu principal, là. Salut Dirlox, comment tu vas? Tu as l'aérodrome. Ouais, mais les aérodromes sont toujours trop loin de ce qu'on veut faire. Donc ça va être... Bon, je veux bien, mais si c'est pour qu'on y mette 20 minutes pour y arriver sur une heure de live, on n'aura jamais le temps, quoi. Hop. Regarde, si on fait définir comme point de départ ici... Là, il y a quoi? Ok, bon, d'accord. Là, il y a l'aéroport de Milford Sound qui est vraiment juste au bord. Celui-là, je te l'accorde, papa. Je te l'accorde. Alors, on va décoller piste 29 directement. Définir comme point de départ. Piste 29 à 2499 pieds. Piste de bitume, conditions de vol. Météo temps réel, on verra la gueule que ça. Est-ce qu'on est en plein jour? On est en plein jour. On est parti. Et salut Titi, comment tu vas? Ah, ça fait un moment qu'on t'a pas vu. Tu viens plus en soirée? les Alpes du Sud, tout simplement. Ah, les Alpes du Sud, on pourra faire ça.
Le Mont Fuji et sa région, c'est super beau. On l'a fait hier, Dirlox. T'étais pas là, rendez-vous sur la VOD qui, je crois, n'a pas du tout été postée. J'ai eu quelques soucis de VOD dernièrement, là. Je pense que celles de hier ou d'avant-hier devront être postées sur YouTube assez rapidement. Mais en fait, on a fait une spéciale, les plus hauts monts hier. On a fait le Mont Fuji, on a fait le Kilimanjaro, on a oublié l'Everest, qu'on a fait du coup tout de suite là en démarrant. On avait fait quoi d'autre encore comme mont? Évidemment, on a fait le Mont Blanc. What else? Je sais plus trop ce qu'on a fait, mais on a fait pas mal de monts hier. On a passé l'heure complète à faire des monts. C'était assez fun. Franchement, c'était très très cool. Donc n'hésite pas à aller retaper la VOD du Mont Fuji. C'était assez insane. Prêt à décoller. Alors attention, où est-ce qu'on est? On est vraiment dans... Oh putain, mais même rien que la piste! Rien que la piste ici, je veux y habiter, quoi. Mais regardez-moi ça. C'est juste trop beau, quoi. Je veux habiter dans le fjord, moi. Je veux... Voilà, là. Est-ce qu'il n'y a pas une étiquette à louer ou un truc comme ça, là? Moi, je veux vivre dans la petite maison qu'elle a. yes, effectivement, sur YouTube, on peut passer. Ça va très, très bien, Titi. Ça va très, très bien. On est sur les pauses d'âge du « À tes souhaits, mon cœur ». Je t'ai entendu éternuer. Donc, allez, on est parti. Plein gaz. Flaps à 15, on lâche les freins, on dégauchit légèrement, hop, et c'est parti mon kiki. Bonne chance avec le Covid, tu m'étonnes. Allez, on est parti, il a l'air de faire incroyablement beau en tout cas. Je suis plein gaz là, tu te fous ma gueule? Pourquoi j'ai l'impression que je suis pas du tout plein gaz? Très étonnant. Allez, on est parti mon kiki, légère rotation, quand tu veux mon grand. Quand tu veux, voilà, on y va tout doucement parce qu'on a quand même des flotteurs. Hein. Donc, gear up. Voilà, on a tranquillement remonté le... comment ça s'appelle? Pourquoi j'ai pas de puissance là? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je suis à peine en train de cabrer que je suis déjà en train de... Je suis déjà en train de perdre de l'alti, quoi. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi le moteur il est à 2 à l'heure? Pourquoi mon engine là il veut pas passer... Il veut pas passer la seconde, là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites ça? On va enlever les flaps, déjà. Ça y est, ça démarre. Encore, mais pas. Non, ça a pas l'air de... Ça a pas l'air de... Ça a pas l'air d'y aller fort, 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 monsieur, là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est comme ça, lui? Enfin, bref. On a décollé, en tout cas, du fjord. On va essayer de se débrouiller derrière avec, avec ce qui nous reste. C'est... incroyablement beau en tout cas. Avec le petit soleil qui traîne derrière là. Pop, 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 pop. C'est dommage que les... C'est dommage que le côté falaise soit pas hyper bien représenté. Va falloir qu'ils bossent sur les falaises, hein, parce que toutes les falaises en fait c'est là où d'un point de vue satellitaire, bah, les cartes déconnent un peu quoi concrètement. Hein. Angle de montée trop faible, mais t'es mignon toi. L'angle de montée trop faible, à chaque fois que j'ai essayé de monter, tu m'as dit oh là là, la puissance elle y va pas. La scène laisse à désirer. Ouais, la scène est un petit peu... En fait, c'est pas tant que la scène est un peu... laisse à le désirer. C'est qu'en fait, on est vraiment en train... Là, il y a... Attendez, je vais baisser un peu le son. Un peu fort. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que là, on est vraiment en train de regarder... on est en train de regarder, en fait, vraiment les limites de ce que plaquer, en fait, une texture de vue satellite sur une topographie en 3D peut poser comme problème. C'est-à-dire que là, en fait... Quand les variations, vous voyez là en fait, là-bas par exemple, quand les variations ici d'altitude sont vraiment faibles, le plaquage de la texture est vraiment pas dégueu. Ça se fait plutôt bien, il n'y a pas de problème. Dès qu'on est sur des, comment ça s'appelle, des variations d'altitude qui sont vraiment violentes, voilà, on est abrupt quoi. On perd une cinquantaine de mètres ou une centaine de mètres en 3 cm d'avancée. Et effectivement, tu te rends compte que bah, là, d'un point de vue plaquage de texture, bah, en fait, sur ta VUSAT, tu as quelques millimètres de VUSAT que tu essayes en fait, de plaquer sur une surface qui est beaucoup trop grande. Et en fait, c'est là que d'un point de vue mathématique, on rentre un petit peu sur de la mathématique et sur de la simulation, on se retrouve sur un plaquage de texture qui bah, forcément est dégueulasse parce qu'on essaye d'étirer 2 mm sur une distance de 200 mètres. Donc forcément, la texture est dégueulasse. Voilà, donc ça c'était pour la petite côté un petit peu explication de pourquoi on a ce genre de textures ici qui sont vraiment, on peut le dire, hein, immondes. Par contre, voilà, dès qu'on est, vous voyez par exemple cette colline là, dès qu'on est sur une colline qui a un dénivelé qui est correct, bah, on a une texture qui est pas dégueu quoi.
Là, on a des rochers qui sont un peu bizarres, d'ailleurs qui ont l'air de vouloir arriver au fur et à mesure. Mais bon, au-delà de ça, même si la scène laisse un petit peu à désirer, on est vraiment sur un environnement qui est ultra cool, quoi. Le fjord, là, qui nous permet de décoller, on la piste qui nous permet de décoller directement sur le bout du fjord, et ensuite d'avoir les montagnes derrière nous et le fjord juste devant nous, je trouve ça excellent, quoi. Je serais pas surpris qu'on ait le droit à un world update sur la Nouvelle-Zélande et l'Australie. J'aimerais vraiment bien, parce que c'est vraiment... je pense quand même que ça fait partie des destinations de rêve de quand même pas mal de monde. Et on a vraiment des paysages, quand tu sais qu'il y a énormément de films qui sont tournés en Nouvelle-Zélande ou des choses comme ça, ça me paraît évident que c'est quand même un endroit qui mérite en tout cas d'avoir un world update, ça c'est clair. En tout cas, IRL, c'est le genre de petit vol qui serait vraiment, vraiment, vraiment fun à faire, quoi. Venir se faire le petit passage du fjord là. Là, gros gros kiff. Hein. Alors par contre, voyons voir 30 secondes là. Ah, la manette de la richesse, il veut pas que j'y touche. Hein. Il veut pas que j'y touche, je sais pas pourquoi. Donc on va se retrouver avec une vitesse légère. Je sais pas pourquoi il veut pas prendre plus de vitesse que ça. Je trouve ça presque étonnant en soi. Mais ça a de la gueule. Hein. On va se mettre en mode vitrine là. On va voir si on est capable de sortir une photo. Oh bah là, regardez. Pause, monsieur, s'il vous plaît, pause. Tac, tac. Voilà. Là, on est pile poil à la sortie du fjord. Et je pense que on a exactement une photo rêvée, quoi. Limite, on pourrait se mettre juste un tout petit peu de nuages s'il pouvait y en avoir. On aurait, même si on les remettait au temps réel, on pourrait rajouter quelques petits nuages. Voilà, qui donnerait un petit effet vraiment pas dégueu. Ah, par contre, le soleil est... Hop là, coucou Papa Noël. Autant dire que ça, c'est Papa Noël qui vient de passer. Sortez-vous les doigts du cul. Bravo Nick Solam pour la petite motivation des troupes. Sinon, il y a Fall City, je crois que ça s'appelle. Fall City, côté ouest EU. EU comme États-Unis ou Europe ? Alors attendez, cela dit, je suis un peu déçu là de l'éclairage du soleil, qui est peut-être un petit peu trop réverbérant, on va dire, dans le nuage. Non, on n'aura pas le choix, ouais, c'est pas grave. Du coup, c'est trop là, ça va pas ? Et vous, mon Papa Noël qui repasse son coin là. Attendez, quelques nuages, et si on met nuages épars ? Ah, je trouve ça encore plus beau du coup, moi, je sais pas vous. Mais là, je trouve qu'on a quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment pas dégueu. On va pas mettre le soleil dans le... On va mettre le soleil, en fait, dans le cadre. On va le mettre légèrement au-dessus. Ce qui fait qu'on va avoir quelque chose, voilà, qui va être... Mais laisse-moi tranquille, toi, avec l'indicateur de cap, s'il te plaît. Voilà, j'ai réglé mon indicateur de cap. Laisse-moi tranquille. Voilà, on va juste décaler un tout petit peu la cam, histoire que l'avion se détache. Voilà, se détache sur le truc. Et là, je pense qu'on a une photo qui est juste pas croyable, quoi. Hop là. États-Unis, petite piste sympa, gorge et chute d'eau. Monsieur, je te laisse, je te reviens manger après. Ça marche, Titi, bon appétit, à plus. Là, franchement, on a une vue qui est vraiment pas dégueu. Hein. Là, excusez-moi du peu, hein, mais... Là, on est sur quelque chose qui a de la gueule, quand même. Hein. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est beau, bon sang, bonsoir. J'ai envie de vacances, moi, je sais pas vous. Moi, j'ai très envie d'aller partir un petit peu en vacances. Je sais pas, en Nouvelle-Zélande. Au hasard, comme ça. Hein. Ou en Alaska, c'était vachement bien l'Alaska aussi. On a vu des trucs vachement beaux. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que ça donne envie. Qu'est-ce que ça donne envie, bon sang, bonsoir. Je suis désolé, hein. Je peux pas m'empêcher, je peux vraiment pas m'empêcher, c'est maladif. Il faut que je remette des couchers de soleil. Il faut que je remette des couchers de soleil partout, quoi. À l'est de la piste, à Tacomanaro. On ira voir ça du coup là, la petite. Donc comment tu me dis ? Fall City, on ira voir ça. Regardez-moi ce plan là, le plan est trop beau là. On va prendre la photo aussi. Hop là.
Alors on va voir le hop, tu vas où garçon, tu vas où, hop, là on vient de se prendre là voyez, on vient très probablement de se prendre un petit courant d'air là, en s'approchant de la montagne. On a probablement dû prendre un petit courant d'air qui remontait le long du sommet là, et on s'est pris un petit vent qui est venu nous rabattre un petit peu sur l'aile droite là. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Hâte de pouvoir restreamer et faire en dessin l'une de tes photos. Ah putain, mais là, ça va être beau, là. Attends, clac. On va redresser ça comme ça ici. On va se mettre en pause. Tac. Et là, là, il y a de quoi faire aussi encore une belle photo. Il y a un ascendant. Non, mais clairement, ça sentait l'ascendant, là. Oh, vache. J'en peux plus. J'en peux plus de cet endroit qui est beau. Bon, mince. On va aller se mettre pile dans le creux, là. Hop, tac. Laisse-moi tranquille avec ça. Ah, et on a Papa Noël qui passe. Alors, Papa Noël, là, tu vois, si tu pouvais monter et redresser un petit peu sur la gauche, je prendrais la photo à ce moment-là. Voilà, oh là là. Là, on est pas mal d'être parfait, là. Tac. Et quand tu seras un petit peu plus loin, là, tu pouvais redresser un petit peu, monsieur, partir un petit peu en chandelle sur la gauche. Un peu tard. Un petit peu tard. Si, ça y est, on va la voir dès qu'il passe l'horizon. Clac! Voilà. Ça a de la gueule. Comment ça, c'était mieux avant? Bah mais le problème c'est qu'on avance quoi. Le problème c'est qu'on avance, et qu'à un moment quand on fait pause, bah on fait pause un petit peu tardivement. And that's life. Allez hop, on se décale un petit peu sur la gauche. J'ai changé l'angle. Ah bon, bah écoute, tant pis, that's life. Ah là, on a quelque chose de pas mal aussi là. Il est chiant. Je croyais que c'était censé être stable un avion. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, dire que je croyais plus au Papa Noël depuis quelques temps, je le vois souvent. Tu m'étonnes. Ah, il est plus présent qu'on ne le croit. Hein. Ah, vous savez, il bosse qu'une seule journée dans l'année, mais le reste du temps, il se balade. Hein. Il maintient ses heures de vol. Hein. N'imaginez pas autre chose. Là, on a une belle... Hop là, Papa Noël qui vient de passer. Ah, du coup, j'ai fait pause pour pouvoir prendre la photo. Je savais pas que t'étais derrière moi, copain. On va se prendre la petite partie là qui est là aussi, parce que c'est assez insane, je trouve. Oh, ça a de la gueule, bon sang, vive la Nouvelle-Zélande! Hop, photo prise, ça c'est fait. Bon, est-ce qu'on va maintenant? Et salut Fabinous, comment tu vas? Bienvenue en Nouvelle-Zélande! Encore! On n'arrête pas d'y retourner, Nouvelle-Zélande, en fait, c'est un truc de fou, quoi. Oh là 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 là, mais ce jeu, quand même... D'un point de vue gestion de la luminosité et des nuages, ce jeu est quand même incroyable. Je prends une claque tous les jours, à chaque fois que je commence. Regardez-moi ça. Regardez, même au niveau des rayons du soleil qui viennent taper dans les nuages, on a cette délimitation là qu'on voit souvent à l'œil nu et qu'on a beaucoup plus de difficultés à aller chercher quand on fait de la photo. Pour le coup, je parle d'expérience. Et c'est juste incroyable quoi. Côté gauche, toujours cassé, le reste nickel. Qu'est-ce que t'as fait à ton côté gauche, Fabinous? Ben alors? Oh là là, mais cette plage! J'ai trop envie d'aller me baigner là! J'ai fait un petit atterrissage dans la crique. Ah oui, je te vois! On te voit là! Bon allez, on va faire un petit passage au-dessus du Papa Noël. On va faire ça, tranquillou. Et puis comme ça, ça vous laisse le temps de trouver peut-être la dernière ou avant-dernière destination. Il est 46. Oh là là, mais regardez-moi ça! Pause! Je suis désolé, mais en fait là, je. Juste les. Merde. Les couleurs sont juste incroyables là. Je veux un screenshot là. Je veux un screenshot là parce que c'est juste incroyable. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Putain de
Dieu, quoi. Je peux rien dire de plus. la proposition d'OSM me semble... Ah oui, oui, on avait dit full... Full, je sais plus comment. Je retrouverai le nom dans le chat. Je suis désolé, hein, du coup, j'ai une mort de poisson rouge, là, quand je suis concentré comme ça sur le... Vous avez vu les reflets des nuages qu'on a sur le... Et c'est parti, Caps Fight qui nous remotive les troupes, là. Et salut BLF, comment tu vas? Toulon hier en approche, au-dessus de Porquerolles. Hey, ça peut être sympa aussi, ça. Bah rien, mais je me suis gauché, j'ai une sorte de tendinite que j'ai pas soignée, et quand je bouge ma main gauche, je pleure du sang. D'accord, kiné et attel, mais c'est compliqué. Skyfall, oui, je sais, c'est nul. It's a skyfall, an incredible. Oui, je sais, je sens très très mal, Adèle. Alors, on va nous faire le petit survol de Papa Noël, là, qui est tranquillement posé dans la crique, là. Putain, mais ces plages, là, je sais pas ce que c'est que ce, comme sable ou comme rocher ou je ne sais quoi. C'est juste trop beau, quoi. Il est où le Papa Noël? Si, on le voit. On le voit encore un petit peu au milieu de la crique, là. On va faire un petit passage au-dessus. Coucou copain! Et hop là! On va peut-être même réussir à faire une petite pause. Je vais passer devant toi, comme je sais que tu avances. Clac, on fait pause. Tac, on se met en mode vitrine. Vite, vite, vite. On change d'angle de cam. Ni, 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 hop, ni, hop, hop, hop. Et c'est parti, Windows Alt. Tac! Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai fait insert, je suis un con. Oh là là là, je suis un boulet. Casse-toi l'indicateur de... Ça c'est chiant. Laisse-moi prendre mes photos en paix. Tac, bon. Alors, on a dit. Bienvenue tout le monde, évidemment. Of course, tous ceux qui sont là. Et je vois même qu'on est a priori plus de spectateurs qu'on est de chatteurs. Donc bonjour tout le monde si vous venez d'arriver. J'entends Adèle quand tu chantes, quel bonheur. C'est le même quartier, il y a des sirènes de flics partout. Ah bon? Je suis à côté de ma fenêtre, on a rien, enfin moi, j'entends rien. Ou peut-être de l'autre côté, alors. Alors, on a dit. Du coup, SM, tu peux... de l'autre côté, d'accord. Tu peux me rappeler... Attends, je vais essayer de remonter au niveau du chat. Où est-ce qu'on a dit qu'on allait, là, au niveau du fall, je sais plus quoi... T'as comme un arrow, je l'ai. Fall City. Gros modèle depuis 10 minutes, d'accord, bon. Alors, Fall City. Ambulance, flic, bon bah du coup. C'est sûr que c'est le même appart. Ouais, mais en fait, on est traversant en fait. Je suis côté rue, elle est côté intérieur. Allez, mais c'est chiant ça, pourquoi il met pas à jour lui là, F5. Allez, Google, voilà, Fall City, non mais. Mais enfin, mais Fall City quoi! Quelle saleté il fait lui! Voilà, on y est, Fall City. Par contre, où sont les Falls? Ah, on est à Seattle! D'accord, on est à côté de Seattle. Donc du coup, non, je veux pas le restaurant End-In machin, je veux Fall City. Mais qu'est-ce qu'il a, Google? Il déconne ou quoi? Fall City. Il y a pas mal de perquisitions un peu partout en Belgique, hier à Bruxelles, à grande ville. D'accord, le mec est dans un palace. Non, on n'est pas dans un palace. Nem a volé le manoir de Zerator. Bon, j'appelle les gendarmes. alors, moi, j'aime bien l'endroit, mais où sont les Fall City du coup? Attends, t'avais dit quoi, OSM? Le temps qu'on trouve, hein. Tagada, 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 tagada. Tu disais qu'il y avait un aéroport juste à côté. Petite piste sympa, gorge et chute d'eau. De Nakoma Naro. Alors attends, on va essayer de trouver ça directement ici, là. Nakoma Naro, il trouve pas, évidemment. Ça sent le fail. Nakoma Naro. Nakoma Naro, airport, bridge. C'est où tout ça? Tac. Ah, on est là. Donc, si on démarre de là, cela dit, ça a l'air sympa hein, comme endroit. Hein. Bah écoutez, je sais pas où sont les falls, mais l'endroit a l'air cool. Je pense effectivement qu'on va décoller de là, direction sud.
Et on va aller se balader par là. Ça a l'air très 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 sympa. Donc pour ceux qui n'ont pas encore checké, on est à Seattle. Seattle du coup qui est sur là, hein, qui est sur la côte ouest des États-Unis, très très au nord, pas très loin du Canada. Et donc on va décoller de là tranquillou. Alors Tacoma Narrow, du coup j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce qu'il a pas trouvé d'aéroport dans le coin. Tu me laisses tranquille s'il te plaît, monsieur. Voilà, contrôle V. Tum. Ah bah si, il l'a trouvé. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Et oh là là, oh là, préparez-vous à la chétiflute, serrez-vous. Et bravo, bonjour tout le monde. Bonjour à tous, toutes les personnes qui viennent de chez Keto78. Merci beaucoup pour le host, ça fait plaisir. Je sais pas, parce que je sais que Mouchou est là, du coup elle peut me ban. Coucou tout le monde du coup, salut Tagada, salut tout le monde. La piste s'appelle Full High, mais du coup ouais c'est ça en fait, on avait un nom un peu bizarre là, je sais pas ce qui nous a fait. Bah non tu regardes, elle s'appelle Tacoma Narrow en plus, c'est ça qui est bizarre. Bon, on va faire ça vite teuf, t'as vu, hop, 17. Laisse-moi tranquille là. Piste 17, définir comme point de départ. On démarre avec notre hydravion de toutes les façons. Oui, ça me va bien. Condition de vol, on va quand même se mettre 2 jours. Hein, ça serait un petit peu mieux dans l'idée. Et on est parti. Donc on va être parti sur ce... Je vais manger, c'était trop bien ton live. À plus, ça marche Jade, à plus tard. Bonjour et bon vol. Mais salut Keto, ça fait plaisir. Alors, on décolle ou bien? Bah, excusez-moi, j'accueille les nouveaux avec sympathie et tout ça, quoi. On peut pas tout faire. Qu'est-ce que je disais? Donc, pour les nouveaux qui viennent d'arriver, malheureusement, vous arrivez sur les toutes dernières minutes du live. T'as vu de la lumière? Merci pour le follow, du coup, Keto. Alors... On est donc sur une petite émission qui s'appelle Pause Déj, toute bête. Donc c'est un live du lundi au vendredi, de midi à 13h. On se prend Flight Sim, je vous prends tous les copilotes qui sont avec moi, vous donnez vos destinations les plus rêvées dans le chat, et nous, on essaye d'aller les visiter. Bientôt le crâne rasé. Oui, du coup, il y a un petit challenge, je me rase le crâne à 250 followers dès qu'on atteint le quart de millier. Voilà, ça fait partie du business, hein. C'est le Twitch Biz, hein, comme on dit chez nous. Allez, on est parti, plein gaz. On lâche les freins. Et on est parti, mon quicoui, à mes frais. Alors, on y a pensé, à savoir si on se rasait en direct ou pas. On s'est dit que ça allait être compliqué quand même, parce que bon, c'est quand même mon bureau. C'est mon bureau où je stream, mais actuellement, avec le télétravail, c'est aussi le bureau où je bosse. Et donc, du coup, faire un rasage comme ça en direct... J'ai peur vraiment de foutre des cheveux et des poils partout. Et ça va être un petit peu El Bordeloum, si vous voyez ce que je veux dire. On va peut-être décoller à un moment quand même. Et hop là. Alors ce que vous avez peut-être pas vu, parce que je vous le montre quand même, parce que c'est parfois un peu rigolo quand même. Hop, gear up. Voilà qu'on voit un petit peu comment... Eh, on a Papa Noël qui est passé foutre derrière. Voilà, juste que vous voyez comment le train d'atterrissage rentre et sort dans les flotteurs. Je trouve ça toujours assez cool de voir. C'est tout con, hein, mais ça me fait kiffer. Hop là. On rentre les flaps, donc du coup Papa Noël est avec nous pour nous accompagner sur ce petit vol. Il sera du coup effectivement probablement le dernier petit vol, puisque il est déjà quand même 55, il va falloir aller reprendre le taf à un moment quand même. Et nous voilà du coup à... Oh, il y a un joli pont là-bas. Ah, l'endroit est sympatoche, hein. Ah, sniff la Jamaïque. Bah la Jamaïque, on la prendra demain du coup, la Jamaïque. Tu n'as pas eu de problème de perf avec la nouvelle mise à jour? Bah écoute, là non. Effectivement, il y a eu une mise à jour là juste avant que je lance le live. Il y en a eu pour 5 gigas de mage. Non, j'ai eu aucun problème. J'ai eu même un peu l'impression d'avoir une légère amélioration. Alors j'ai pas affiché mes FPS, mais là où j'avais parfois un petit peu de lag, notamment quand quelqu'un venait scaler contre moi, elle dans elle, on avait quelques petits lags. Là aujourd'hui, j'ai rien du tout. Et non, aujourd'hui, vraiment, j'ai expériencé, je sais pas si ça se dit,
We have experienced no lag. On va le dire en anglais du coup, parce qu'en français ça collait pas bien. Non, on n'a pas rencontré de lag aujourd'hui, j'avoue, pas de freeze, pas de lag. J'ai des soucis personnellement en liner, mais j'ai jamais fait de liner en fait, donc je ne pourrais pas te dire. Nous on part surtout... Putain mais c'est vachement beau, regardez-vous le mont là-bas, je sais pas si c'est un volcan encore, la vache. Je fais pas de liner du tout, nous on prend généralement des petits avions pour faire des tout petits vols de découverte à droite à gauche. Et salut Shuriken, comment vas-tu? On m'a parlé d'un ban ici. du coup, ouais, Papa Noël qui joue aussi nous explique que les liners sont gourmands. Ouais, bah, je sais pas, j'avoue que je n'ai pas de réponse à te donner sur ce coup-là. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est beau. Donc je rappelle, hein, on est aux côtés de Seattle. On est sur une zone assez verdurée et assez je sais pas comment dire, humide, appelons ça comme ça, il y a de l'eau. c'est le jour et la nuit dans un cockpit de A330 versus Cub. Ah ouais d'accord, à ce point là, en termes de FPS. Ouais mais ça y est, ça commence déjà à ban. Alors vous inquiétez pas, hein, Tagada Jones et Mouchou se connaissent très très bien de Opus TV, de la chaîne web TV 24/7 sur laquelle je stream également. Ils se connaissent très très bien, ils sont modo toutes les deux de la chaîne et c'est leur petit jeu de se bannir mutuellement. Donc voilà, vous inquiétez pas, tout se passe bien. Bon, en tout cas, là, je pense qu'on va pouvoir sortir l'appareil photo. Hein. On est sur une... Je cherche le plus bel angle. J'aime beaucoup cet angle là-bas, là, d'aller me dire que tout au bout là-bas, il y a une montagne toute seule qui dépasse de l'horizon. Ça me plaît très très beaucoup. Donc on va faire pause. On va basculer en mode vitrine. Tac. Et puis on va aller se faire une petite photo comme ça, là, ça me plaît bien moi. Qu'est-ce qu'on peut se faire comme angle sympa de photo là? Ça, c'est pas mal ça comme angle. Qu'est-ce que vous en pensez là? On est pas... un petit angle comme ça? Non, non. Là, comme ça c'est bien. On met l'avion ici dans le bleu là. On se rapproche un petit peu. In the blue, on a la montagne derrière qui permet... En fait, le fait de placer l'avion ici va nous permettre justement de mettre la lumière sur la montagne qui est derrière. Et là, on a quand même quelque chose d'assez... d'assez sympathique. Je te laisse l'ami, bon stream à toi. Merci beaucoup Keto, merci beaucoup, merci pour le passage, merci pour le raid évidemment. Bon après-midi à toi. On fait notre petite screenshot des familles. On revient sur la vue externe, tac. Et on est reparti, on lâche la pause. Ah, vraiment, on est sur des endroits vraiment vraiment cool. Quelle heure il se fait midi 59. Moi j'aime beaucoup cette petite zone, je connaissais pas du tout Seattle, et pour le coup, voyez moi qui dis souvent que j'aime pas trop les États-Unis et que c'est un truc qui me tente pas des masses, et bah pour le coup, j'avoue que Seattle, si ça ressemble vraiment à ça, bah ça me donne déjà un peu plus envie. Je dois bien le reconnaître. Maintenant t'adores. J'irai pas jusqu'à dire que maintenant j'adore. J'ai pleuré, j'ai utilisé des mouchoirs. Oh mon dieu, mais Tagada, non. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de mots tout pourri? T'as pas le droit de faire des jeux de mots comme ça. On ira au moins en Floride et côté ouest. Ah, mais j'avoue, il y a des... Mais moi, j'ai toujours dit, en tout cas, s'il y a un truc qui m'intéresse aux États-Unis, ça va être de faire la tournée des parcs. Typiquement, j'adorerais aller au Yellowstone. Ce serait, je pense, assez incroyable. Oh là là, mais qu'est-ce que... Franchement, c'est... Ça a de la gueule, hein. C'est vraiment très joli. Elle adore. Il va vouloir déménager à Seattle et après la Belgique va lui manquer comme les montagnes. Non, mais non, mais non. Non, déménager à Seattle, non. Mais en fait, de toute façon, déjà, de base, déménager aux États-Unis, je pense que c'est juste même pas envisageable. Avec le système de sécurité sociale américain, moi j'y vais pas, hein, c'est mort. Encore là, Shuriken, j'ai l'impression d'être suivi. Mais ouais, non, là, putain, c'est fouf. Pouf, 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 pouf. On est quand même sur des endroits qui... On est quand même sur des endroits qui valent le détour. Ah, on a notre petit Papa Noël, là. On va le laisser nous rejoindre. Parce que je suis plein gaz depuis tout à l'heure, on va ralentir un petit peu. On va le laisser nous rejoindre tranquillou. Comme ça, il va rassembler. On est d'accord, ils nous envahissent.
Ouais, alors on va laisser Papa Noël tranquillement nous rejoindre. Pam 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 pam. Voilà, ben voilà. Je pense même qu'on va pouvoir se faire une jolie photo. Maintenant, il va stabiliser tranquillement derrière moi. Je suis à 84 nœuds affichés, mon papa. Caméra, vitrine, tac. Oh là là, oh là là, mais rien que ça là. Regardez-moi cette vue là. Juste ça, ça a de la gueule. Et hop là, petite photo des familles. A plus dans le bus, vanne pourrie, c'est l'âge. Salut OSM. Mais à plus sous le bus. Moi, c'est ma petite vanne à moi que j'aime bien. Je trouve ça plus sympa. Ah, là, on a un truc qui a de la gueule aussi, là. Attendez, on va se trouver un petit truc comme ça, là. On va se trouver un angle sympa. Un peu proche, comme ça. Tac. Et hop, là. Je croyais qu'elle était de Genaïque, cette vanne. Manger, c'est tricher. Ouais, mais moi, j'ai faim. J'ai vrai que j'ai faim, donc je veux bien... Je serais pas contre tricher, j'avoue. Tu peux parler de mes jeux de mots pourris. Ah, mais moi, j'ai des jeux de mots pourraves, hein. J'annonce, hein. Je suis un spécialiste... Jeu de mots pourri since 1985. Hein. Moi j'en ai une autre de vanne sur l'histoire de A+, mais je m'abstine. Du coup je vais y aller à l'atterrissage et puis bye bye. Mais ça marche mon papa, de toute façon nous on va couper. Hein. Il est 13h03, soyons clairs, moi il va falloir que je reprenne El Tafouille. Parce qu'il faut bien gagner sa vie quand même à un moment. On va peut-être se faire encore une petite photo là, parce que ça a de la gueule aussi. Voilà, moi ça me plaît bien ça. On sait pas trop où est-ce que le papa au sud, là, pas au sud, pardon, en dessous là, il va se poser. Je sais pas si vous le voyez avec la... Si, vous le voyez quand même là. Non, il est peut-être dans ma bannière. Non, ça va, on le voit. On le voit dépasser ici là. Piste sur ma gauche. Ouais, je vois la piste aussi là, qui a l'air de se balader en dessous là. Hop, on va se remettre comme ça. Et puis on va se prendre une petite photo sympathique. Et puis ensuite on va faire comme d'hab, on va se couper la cam, on va se couper le micro. Et puis on va laisser couler un petit peu le live jusqu'à ce que mort s'en suive. Une petite mort douce, tranquillou. Tac, voilà, capture d'écran enregistrée. Bah écoutez tout le monde, merci à tous d'être passés. As usual, ça fait toujours plaisir de vous voir de plus en plus nombreux au rendez-vous. Donc je le rappelle, hein, pause-déj du lundi au vendredi, de midi à 13h. La VOD est généralement disponible dès le lendemain sur YouTube à 13h. Sauf là dernièrement, les deux dernières sont pas en live parce que j'ai eu quelques soucis. Mais vous inquiétez pas, elles vont arriver. Et donc du coup, moi je vais vous laisser tranquillement sur... Bon, ce faisant d'image, ça me semble pas mal. Je vous fais de très gros bisous. Salut Raven, juste avant qu'on parte, je te dis quand même bonjour avant de te dire au revoir. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous dis à demain et bon vol et bon après-midi. Ciao, ciao.